Le président de la plateforme nationale de la société civile, Georges Binongoussi, et sa suite ont été reçus en audience par le président de l'UPNR, Maître Louis Gaston Mayila. Une rencontre qui rentre dans le cadre des consultations initiées par la plateforme pour l'organisation d'un congrès. Nous sortons de là vraiment très ravis. Très ravis parce que nous avons trouvé pratiquement un président qui avait déjà pratiquement cuisiné le plat. Cuisiner le plat. Une affiche. Cuisiner le plat. Nous n'avons fait que nous régaler parce que non seulement la participation de M. le Président est déjà acquise, elle sera effective matériellement, physiquement et pratiquement intellectuellement, si vous voulez bien. Il viendra avec tout ce qu'il avait déjà préparé au Congrès. Et comme il le disait tantôt, le Congrès n'est qu'une marche, l'une des marches de l'échelle qui nous amènera vers l'unité nationale reconfirmée. Pasteur est venu exposer l'idée d'un congrès où nous mettons ensemble tout ce qui nous unit pour que la réconciliation nationale soit une réussite. Ce n'est pas une idée de moi ni de personne, c'est une idée de tout Gabonais. Donc le pasteur est venu avec sa plateforme, avec tout ce qu'il a de connaissances dans le monde religieux et tout, pour dire nous pouvons réussir là où tout le monde dit que c'est impossible. Et c'est là mon sentiment à moi, sentiment de satisfaction, sentiment de gratitude vis-à-vis de cette centrale, de la société civile, sentiment d'espoir. Il est à rappeler qu'avant Maître Louis Gaston Mayila, d'autres personnalités politiques et présidents d'institutions avaient déjà été consultés.